Je suis Dr Mepoz, premier conseiller en planification familiale et santé génétique au projet d'extension de l'offre de services. La PUGS signifie la planification et l'espacement idéal de la grossesse pour la santé. Le personnel médical a entendu parler de la planification et l'espacement idéal de la grossesse pour la santé pendant des années. L'espacement des naissances est une recommandation générale où les prestataires de santé disent aux femmes d'espacer les naissances de deux ans. En général, ils parlent plutôt d'un intervalle d'une naissance à une naissance que d'un intervalle d'une naissance à une grossesse, c'est-à-dire la PEIGS. PEIGS comme intervalle entre des naissances est une approche pour offrir des services de planification familiale. PEIGS se réfère au bon moment pour la santé de tomber enceinte plutôt que d'accoucher. PEIGS recommande qu'une femme attende 24 mois ou 2 ans après une naissance vivante avant de penser à la prochaine grossesse. Cela pour garantir les grossesses saines des mères et des bébés en bonne santé. De plus, les recommandations de la PEGS sont scientifiquement prouvées. Les preuves proviennent d'une série de méta-analyses et des revues littéraires sponsorisées par la LUSED. Les chercheurs ont examiné presque 200 cas et ils ont trouvé que les grossesses à petits intervalles entraînent des effets négatifs pour la mère et le bébé. Pour la mère, les risques seront grands de mourir, faire une fausse couche ou faire un avortement provoqué. Le bébé aura de grands risques de naître prématurément avec un faible poids, petit pour l'âge de la gestation, d'être un mort-né ou mourir avant d'avoir un mois ou un an. L'UCED a soumis des études à l'Organisation mondiale de la santé où les experts techniques ont examiné des découvertes et ont conclu que des grossesses à court intervalle étaient en fait liées à de grands risques pour la mère et le bébé. Selon les conclusions, les experts ont présenté deux recommandations. Premièrement, attendre 24 mois après une naissance avant d'essayer la prochaine grossesse et deuxièmement, attendre au moins six mois après un avortement ou une fausse couche avant d'essayer la prochaine grossesse. L'UCED a ajouté un troisième message visant à atteindre les jeunes basé sur les recommandations formulées par l'OMS, l'UNICEF et l'UNFBA relatifs aux grossesses précoces. Les jeunes devraient différer leur première grossesse jusqu'à ce qu'elles aient au moins 18 ans.